Bravo, vous êtes sur Internet. Ah, comment ça, t'es en burn-out? Tiens, Moi, voilà. j'ai bossé pour plein d'entreprises des heures et des heures et des heures, Si? et là, je suis allergique au boulot en ce moment. Ah, d'accord, du coup, t'es plus en mode décontractant, C'est chill. ça. Ah ouais, je vais dans le nord, je vais pisser, puis bah, comme ça, je vais chercher mes menus ici, puis je peux manger. Si. Et entre tout ce que je viens de te dire, bah, je tienne avec ma femme, c'est rien de plus. Quoi? Oh là! Comment t'allais, t'as niveau? Ding 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 ding. J'allais travailler, je t'avoue là. Comment tu vas, mon amour? C'est même pas que t'étais réveillé. Ah, si, je viens tout juste de me réveiller. D'accord, tu vas bien, mon bébé? Ah, c'est un petit peu mal au ventre, mais ça va. Ah. On bat les couilles, frère. Je suis en train de faire une tenue pour le groupe de motards que je veux faire. Moyen. Par contre, Par si tu as contre. un accident, j'espère que ça va pas te rentrer dans la tête, hein. Ouais, non. Au pire, ça va tuer toi, c'est pas grave. Ah bah merci. De toute façon, pourquoi ça me tourait moi? Parce que je te rappelle que t'es souvent derrière ma bécane. Fais des Et bagnoles. quand on fera les trucs, je serai avec ma propre moto. Oui, c'est pas faux. Je Hola. Ok. Coucou, Vous allez Liron. bien? Ça va et toi? Assieds Ça toi. va, ça va. Oui, donc je te disais, normalement ils vont me contacter dans la soirée, je t'enverrai un SMS, mais il y a le gouvernement, ils voudraient te voir pour te mettre pédésier officiellement. Ah ok, ouais, je dirais qu'il y avait un problème, je sais pas Non, quoi. non, 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 c'est que. Alors à la J'ai base. commencé à stresser. Non, 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 à la base il y avait 5 personnes qui étaient dessus avant toi, mais moi ils ont expliqué que voilà, t'étais un petit du quartier, que tu te lançais tout dans la vie active et que je préfère que ce soit toi qui l'aies, que tu Ok. fasses ça, que faire des bêtises comme certains petits cons dans la ville. Même s'ils en font aussi, t'inquiète, hein. C'est honteux! Ah ouais, du coup, Marina? Si? Tu vois le skybar là, c'est à nous. C'est vrai, super! Ouais. C'est juste à côté du commissariat. En Ça 209. À la va place des faire putains. red side. Je peux dire un truc méchant? Vas-y. Ils ont prévu de pas très loin, comme ça vous fait moins court pour le tracer. Il a fait ça de l'acte de nerf du coton. Ouais. T'en penses quoi de ma tenue? C'est la tenue qu'on va faire pour les bikers. Attends, je mets le pantalon. Oh, vas-y, t'inquiète pas. Oh. C'était bien, j'aime bien en vrai. C'est rigolo, non? Après, le casque, c'est au soir. Moi, je fournis celui-là, mais si les gens veulent un autre, ils mettent un autre. Ok. Et on va faire passer ça au gouvernement par une association de motards. Ce sera sûrement l'association du Caridas. Après, pour le nom, c'est pas encore sûr. Mais déjà, il faudra avoir rendez-vous avec le gouvernement. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Ce soir, je m'occupe des papiers et tout, alors tu seras disponible pour récupérer ta paye ou pas? J'avais pas déjà tout pris la dernière fois? Bah t'en as Bah refait? non. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai refait des ventes après, oui. Bah c'est hein. Ouais, mais Ah ok. Après si tu vois pas de l'argent. Mon amour, Leroy, sans aîné, il a dit qu'il me donnait tôt. Ah si, c'est pour Bah ça. bon, Hein. si tu veux, moi je m'en fous. Non, 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 Mais t'étais. non, bien sûr que non. C'est ta paye à toi. Tu l'as mérité. C'est une blague de merde, mais c'est une blague quand même. À trois, on rigole. Un, deux, trois. Bonsoir monsieur. Enfin bonsoir monsieur. Ah, mais c'est toi, comment ça va? Bah ça va super et toi? Ça va. Bah alors, qu'est-ce que tu fais avec ton gros sac? Tu peux en abandonner? Ouais, j'ai fait un burn-out, j'ai claqué tous mes travaux et je fais que de la PES. Et là, je fais des tours de moto, je fais de la PES, je tienne ma femme, des trucs comme ça. Ok. Pour Bah écoute. je fais tout le temps travail, 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 je crois que c'est pas fait pour moi. Voilà, je te comprends. Je te comprends. Bon bah amuse-toi bien. Pas de soucis, bah bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Glandeur va! Putain, c'est dégueulasse ici, il y a même des seringues. Bordel. Voyons, ici, il y avait. On aurait ménagé, hein. Maintenant qu'il y a Madame Prop, Monsieur Prop, il prend plus rien. Ah Hola, oui. Fermine. Hola, hola! Mais Ça va? c'est pas Firmin, Flamine, c'est hein. pas Firmin. C'est pas quoi? Ah, si, pardon. Oh non, mais c'est vrai, vous bah oui. ressemblez avec vos Oh, tatouages. bordel! Non, pas quoi, t'inquiète. À l'aveugle. C'est vrai, je ne Putain resterai pas de marié avec elle, non? mon... Attends, je me fais pardonner. Mouah. Tu Ah, vois, je fais voilà! un poisson sur la joue. Merci!
Je te pardonne. Ça va alors. Je fais des câlins, je fais des bisous. Tu veux un bon plan? Est-ce que t'as 12 000 dollars? Ouais. Assez-toi une caravane, tu peux stocker à mort, je te montre un. Vas-y, j'ai une idée, moi. Ah ouais, tu peux caler des trucs. Bah ouais, t'as vu, c'est pas mal, hein. Franchement, ouais, d'ouf. Attends, je vais décaler. Oui, allez, je vais faire un achat au motorsport. Ah bah nickel, tu vas essayer quoi? Bah y'a un camping-car. Merci aux clients fidèles. Oh putain. Allô. Oui, hello. Allô, oui. Oui, attends, excuse, il y a des trous sur la route. Putain, c'est la merde. Ouais. T'as vu, je t'ai envoyé une photo. Ouais, bah c'est dangereux, hein. Tu fais de la bah, randonnée avec ta caravane, non? On va dire que j'ai peut-être fait quelques conneries en Alaska, du coup j'ai un peu les flics au cul. Qu'est-ce que t'as foutu? Du coup je rien, on va dire qu'avec les cousins, on a fait une dernière soirée un peu trop arrosée, tu vois, pour mon départ. Ok. Et sauf que du coup, il y a un connard qui a insulté ma mère. Ah bah, il fallait pas faire ça, hein, il est con ici. Bah du coup, je l'ai buté. Ah ouais, quand même. Et oui, c'est le retour, mais là, je pense que ça va être un peu plus lourd, hein, puisque là, vu le détour, oh putain. Ouais, bah j'imagine. C'est tout ce que je vais faire, je pense, pour gagner du temps, je vais m'arrêter la prochaine grande ville. Et je vais monter dans un avion. Ouais, bah ouais, comme ça, du coup, j'arriverai avec l'avion. Okay. De toute façon, j'ai encore 2-3 fausses cartes d'identité qui traînent sur moi, du coup, c'est bon. Tu peux aller en enfer. Mais j'ai quitté l'entreprise, ouais. C'est pas contre toi, mais c'est parce que mais t'as rien fait de mal, c'est juste que je voulais prendre les terrasses du Nord, et en prenant les terrasses du Nord, je m'étais dit, tu vois, on pourrait faire un partenariat. Attends, je suis en train de changer de route pour retourner sur un grand axe, du coup. Que ça, je vais pouvoir me faire arrêter par les poulots, parce que ça sert plus à rien que je rentre. Parce que t'es sûr, mes employés sont tous en train de se casser. C'est qui le patron? Et moi. Attends, Marina, reste. Bah ouais, pourquoi rester? Elle s'en irait. Ok, tu fais chier. Maintenant, j'ai pas lieu au cul, je fais demi-tour. Hop, on va reprendre le petit chemin. Putain, tu pouvais pas me dire avant, connard. Oh, avant les polios. Ne vous inquiétez pas, c'est une grenade, c'est tout. Mais non, y'a que moi et je fais de la peste. Oh, la moitié de polios, ça a fini dans le crâne. Oui, dis-moi. Oui, bah, patron, t'as déjà tué une personne. Si tu tues les polios, ça va être encore pire pour toi. Hein. Oh, t'inquiète, je pense qu'il y en avait 2 ou 3 dans la voiture. Ok, c'est vraiment rassurant. Alerte psychopathe. Sinon, à pire, ça, du coup, quand je rentre, je te tire une balle ou non? Non. Mais non, le patron, il serait toujours là, c'est juste que moi, je fais la paix à la place. Tu te casses du truc de moto, là? Pour aller à la pêche? Oui, j'ai besoin de me ressourcer. Et en plus, je voudrais réaliser mon rêve. Quel rêve? Comme on dit chez eux, au status, I have a dream. I have a dream. Oui, j'ai bien compris que c'est un rêve, mais qu'est-ce que c'est que ton rêve? Moi, ça serait ouvrir un club de bikers, de motards, mais un club gentil, hein, pas parce qu'il faut des gros yeux. C'est pas bien d'être méchant. Bon, en tout cas, bon, ça va, du coup, t'es pas parti à cause de moi, du coup, ça me plaît. Mais non, bah non, au contraire, je suis resté grâce à toi et je resterai toujours grâce à toi parce que t'es là. Et t'inquiète pas, quand je reviens, on fait en sorte de monter ton truc. Bah, ok. C'est pas obligé, patron, mais c'est gentil. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es une patate. Oui, enfin, pendant que j'étais pas là, c'est Marina qui a fait le boulot et je suis sûr que tu l'as dit. Oui, bah c'est normal. C'est... Bah voilà, donc vous aurez droit chacun une prime. Ok, parce que tu nous fais confiance et nous on veut pas te décevoir et en plus on t'aime beaucoup. Hasta le moment, hein. C'est trop bon style de mec. Bah oui, t'es un peu con, tu vois. Si, c'est pas fort. Oui, c'est pour ça que je t'aime bien aussi. Merci patron, moi aussi je t'aime. Hasta le moment. Ouais, en tout cas, vous me manquez beaucoup. Mais toi aussi, tu nous manques, tu crois quoi? C'est limite, vous me manquez presque autant que ma famille. Ouais, bah, c'est pour ça. Arrête tes conneries, patron, et rejoins ta famille et tes amis. Et ta... Ok. Je suis devant la porte et je vous appelle, vous m'entendez pas? Ah, mais je suis sauté comme un con. Mais tu peux entrer, hein. Tu peux rentrer? Bien sûr. Mais bien sûr, tu. Mais non, mais depuis tout à l'heure, je suis sûr. Pas besoin de demander. Mais depuis tout à l'heure, je suis sûr comme un con. Je peux passer le reste de mon salaire. Ok. Excuse-moi, j'étais en train de PC, j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau, comme un Théomarine. Mais ça va, heureusement, j'ai mis du riz à côté du téléphone et puis sinon ils sont venus le réparer. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Bonjour Robert. Bonjour.
Comment ça va? C'est qui? C'est Rebecca, la fille que vous avez invitée à votre mariage. Mais comment t'es sentie? Ça va super et toi? Ça va. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'es en burn-out apparemment? Ouais, j'ai trop travaillé. Maintenant, je fais de la pêche et je fais de la randonnée pour être tranquille et fume des pétards. Mais c'est rien de grave, hein. Ça va aller, hein. Oui, attention, c'est juste pas de bêtises. Non, c'est le temps de faire des vacances. T'es complètement con, quoi. Empire, alors, les enfants, c'est pour quand? Oula. Je sais pas du tout. Pour le moment, on pense pas trop à ça, hein. Faut pas vous mentir. Je peux vous poser une question indiscrète? Vous êtes ensemble, non? Non. Oh, pardon. Ferme le gunner. Désolé. À la boulette. La souhait est posée, chérie. Oui, ça m'imagine bien, mais tu... Enfin, fais une pause. Mais si le client il vient récupérer des voitures, je vais pas dire non. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Bah, non, tu vas pas dire non, mais au pire, je te redépose après. Tu te rappelles à la base, c'est ce qu'on devait faire tout à l'heure pendant les 2 heures que ça attendait. Comment ça? Ah non, mais en fait, là, depuis tout ce temps, là, j'enchaîne, chérie, hein. D'accord. Mais si c'est pour te dire, c'est juste après, ancienne pas, tu fais une pause. Et s'il y a besoin de se ramener pour une moto, je te ramène. Si, mais pour faire une pause, il faut avoir le temps de la faire, tu comprends? Ah si, oui, je comprends. Hein. C'est pour ça que tout s'est enchaîné d'un coup. Pour te dire, j'ai tout demandé au client, ça ne le dérangeait pas que j'aille faire pipi tellement j'avais pas le temps. Tu veux connaître la suite? Abonne-toi!